Notre père a tout fait à partir de rien. Et l'héritage qu'il me laisse à mes yeux ne se compte pas en dollars. C'est la volonté de gagner. Et si tu perds, c'est la force d'accepter la défaite. Soit nous guérissons en tant qu'équipe, soit on s'effondre. Jeu après jeu, centimètre par centimètre, jusqu'à ce qu'on soit fini. On est en enfer ici, messieurs. Croyez-moi. Et on peut y rester, se faire mettre le dérouillé, ou on peut se battre pour remonter vers la lumière. On peut grimper hors de l'enfer, un centimètre à la fois. La marge d'erreur est si réduite. Je veux dire, vous êtes un demi-pas en retard ou en avance et vous ne marquez pas. Vous êtes une demi-seconde trop lente, trop rapide et vous la manquez de peu. Les centimètres qu'il faut gagner, ils sont partout, autour de vous. Ils sont dans chaque opportunité de jeu. À chaque minute, à chaque seconde. Dans cette équipe, on se bat pour ce centimètre. Dans cette équipe, on se sort les tripes et on les sort à ceux qui sont autour de nous pour ce centimètre. On s'incline du bout de nos ongles pour ce centimètre. Parce qu'on sait que quand on ajoutera tous ces centimètres, c'est ça qui fera cette putain de différence entre gagner et perdre. Entre vivre et mourir. Regardez le gars qui est à côté de vous. Regardez dans ses yeux. Moi, je crois que vous allez voir un gars qui va avancer d'un centimètre avec vous. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe. Parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Et soit nous guérissons aujourd'hui en tant qu'équipe. Soit nous mourrons tous en tant qu'individus. On vit tous dans un monde cruel et sans pitié, et peu importe d'où tu viens, on va te plaquer au sol et te maintenir là de façon permanente si tu te laisses faire. Toi, moi ou n'importe qui, on cognera jamais aussi dur que la vie. Mais ce qui compte, c'est pas la force des coups que tu donnes, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser, tout en continuant d'avancer, ce que tu arrives à endurer tout en marchant la tête haute. C'est comme ça qu'on gagne. Alors si tu sais ce que tu refonces pour avoir ce que tu mérites, mais tu dois être prêt à recevoir des coups. Il ne faut pas pointer les autres du doigt en disant que tu ne fais pas ce que tu veux, ou de lui, ou d'elle, ou de n'importe qui. Les lâches pour ça, et t'en es pas un. Sur son dos un jour, c'est parce qu'il aurait été touché par vos blessures secrètes.